L'idée de base, c'est de poser un camp ici et d'utiliser ce rocher comme réflecteur. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, je suis allé voir là-haut s'il n'y avait pas quelque chose qui risque de tomber, parce que je le ferais quand même bêta. Ensuite, ici, j'ai vérifié que le tarp passait entre les arbres, ce qui est le cas. Il va falloir maintenant que je règle tout ça, bien évidemment. Je vais me faire un lit brancard, puisque là, on peut voir que le sol n'est pas plan, donc c'est pas grave. Le but, c'est d'utiliser le rocher comme réflecteur. Alors, il va falloir malgré tout, ici, que j'aplanisse un petit peu. Donc, je pense que je vais mettre des rochers quelque part par là. Il y a pas mal de pavés qui traînent, de façon à contenir le feu. Voilà l'aperçu de la taille du rocher avec le camp qui est terminé. Alors l'inconvénient d'être derrière un rocher, c'est que le peu de soleil qu'il y a, qui est ici quelque part, bon on le voit plus, et ben il est caché très très tôt, puisque là il est midi, midi et demi. Donc ben, je suis déjà à l'ombre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc les brancards, mais ça je l'avais déjà dit, voilà ce que ça fait. Donc le feu sera ici. Là j'ai attaché la tarpe ici, parce qu'on va voir la ficelle, là ici quelque part, voilà, là ici j'ai attaché au caillou, pareil de l'autre côté. Alors je vais enlever, pour qu'on voit bien le montage du lit. Voilà, là on voit bien le lit. Alors, j'ai ficelé deux petits montants pour soutenir ici une traverse. Les montants du lit de chaque côté, un écarteur ici qui est ficelé. Bien le niveau, ouais. On voit bien le rattrapage du niveau. Donc de l'autre côté, bah non, hein, j'ai simplement posé sur une bûche un écarteur et voilà le lit qui est fait. Donc je suis à environ 2 mètres du feu. On verra tout à l'heure si ça. Le rocher réverbère suffisamment de chaleur. Ici, j'ai un endroit qui est à peu près dégagé. Donc j'en ai profité, comme je suis parti sur plusieurs jours, pour mettre le panneau solaire, puisqu'il faut recharger les piles. Donc là, il est à peu près dégagé. D'ailleurs, on voit que ça charge. Les petites lumières s'allument, ce qui va me permettre de recharger tous mes appareils frontal et autres. Je vais casser une petite croûte vite fait. Il est 13h. Et puis, il me restera à faire le bois. Il y a un petit ruisseau un peu derrière. Il faudra que j'aille chercher de l'eau également. Et puis l'installation sera terminée. Bon bout de cochon. Faut manger gras quand il fait froid. Faut manger gras. Je suis au
au ruisseau, ou tout du moins ce qui devrait être un ruisseau, mais c'est recouvert de neige. Alors on entend que ça coule là-bas. Il y a du débit. Hein. Là il y a une flaque. Là-bas ça sort un peu. Donc je vais m'approcher en essayant de ne pas me casser la gueule. Il doit y avoir des plaques de glace qui doivent être assez fragiles, je pense. C'est bon. Alors, le bois est prêt. J'ai repéré quelques petites longueurs un peu plus loin si jamais je manquais, mais je pense pas. La préparation du feu est faite. Il est 14h30 à peu près. Donc, c'est soit je fais une petite sieste, soit je vais me balader. Mais je pense que je vais plutôt aller me balader. Voilà ce qu'on voit. On s'approche du camp. C'est tout en haut. En fait, je suis complètement dans un trou. Et ça, c'est juste génial. Le feu est lancé, donc on peut voir que la tarpe est suffisamment éloignée. Ah oui, j'ai mis une couverture all weather au fond là-bas, parce qu'il y a un peu de vent qui s'est levé tout à l'heure. Le vent dominant venant de ce côté là-bas, bah, ça a l'air de vouloir fonctionner puisque ça monte droit. Et pas trop éloigné.
Alors, repas ce soir, ce sera simple. Riz avec quelques champignons et gésier. Ça va être bien bon, bien chaud. Voilà, il fait moins 2. On est à l'extérieur de l'abri. Je vais emmener. Alors, j'avais moins 2 tout à l'heure et là, j'arrive plus à. Et là, j'ai 6,3. Ce qui me fait 8 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur de l'abri, du couchage. Donc ça va être pas mal. Tiens, demain, je vous montrerai en détail comment je me suis couché ce soir et je vous parlerai notamment du sursac. Salut! Voilà, la nuit s'est bien passée. Il a fait un peu frais dans le sens où il a fait moins 5,5, donc c'est rien d'extraordinaire. Par contre, moi, dans mon cocon, là, j'ai rien senti du tout. Alors maintenant, je vous avais dit que je vous parlerai de mon couchage. Alors, mon couchage est constitué d'un sac moins 4 confort de la marque Simon qui vient de chez Decathlon au rayon alpinisme. Ensuite, le sursac. Le sursac, alors c'est pas vraiment un sursac, c'est plutôt un sac de survie. Et en tout cas, il est vendu comme tel par la marque Sol. Donc c'est Survival Outdoors Longer. Il a les mêmes propriétés qu'une couverture de survie. Il est doublé par une feuille alumisée à l'intérieur, ce qui permet de réfléchir la chaleur du corps. Il a une capuche comme un sac de. Comme un sac de couchage hein, basique et un zip ici qui permet d'être enfermé correctement dedans. Ensuite, il est donné comme étant étanche, ce qui fait qu'on ne craint pas le vent, on ne craint pas le splash effect. Bon, en l'occurrence, là, je ne le craignais pas du tout, bien évidemment. Mais il est également respirant, ce qui fait qu'il n'y a pas l'effet condensation comme tous les, tout du moins quasiment tous les sursacs. Et il a un poids de 241 grammes. C'est pourquoi je l'ai pris. Alors maintenant, à voir sur du long terme, hein, si ça tient le choc ou pas. J'en reparlerai probablement d'ici quelques temps. Et j'ai également une petite astuce. Si ça ne suffisait pas, la nuit, bien évidemment, on ne se couvre pas avec toutes ces plures. Donc, ce que je fais, je mets ma veste en guise de pied d'éléphant, c'est-à-dire je retourne les manches à l'intérieur, là je ne vais pas le faire. Je rentre la capuche également à l'intérieur, je ferme le zip et ça me fait un pied d'éléphant, ou un élément supplémentaire pour garder les pieds au chaud. Je suis allé fouiller un petit peu dans les alentours pour voir si je trouvais un autre spot. Là aujourd'hui, j'ai pas trouvé grand-chose de correct. Bon, en même temps, pour un bivouac hivernal. Mais j'y retournerai demain quand même. Je vais faire un tour demain. J'irai un petit peu plus loin. Bon, donc ce que j'ai fait du coup, c'est que aujourd'hui, j'ai modifié l'abri. C'est-à-dire que ici. J'ai déplacé le lit en fait. J'ai déplacé le lit, ce qui me permet de mettre la toile de la bâche à l'équerre ici. On va aller à l'intérieur. Regardez. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, je vais me mettre de l'autre côté.
Donc la bâche est droite, j'ai toujours le toit et j'ai avancé le lit de 60 cm à peu près, ce qui fait que je vais être encore plus près du feu. Le fait d'avoir baissé à l'équerre la toile, ben, je vais quand même conserver pas mal de chaleur. Au fond ici, j'ai fermé en partie par une weather blanket, ce qui fait que ça va me couper le vent et puis également me conserver un peu de chaleur dans un premier temps au niveau de la tête. Le lit, comment j'ai fait? Alors, de l'autre côté, j'ai laissé comme hier, hein, une jambe de force. Par contre, là où j'ai modifié, c'est qu'ici, j'ai mis une branche qui est coincée ici dans un trou qu'il y a sur le rocher. J'ai tout de même mis une jambe de force ici, parce que ça faisait une grande longueur. Puis bon, bah, il faut que ça tienne, quoi. Puis de l'autre côté, bah, j'ai laissé comme hier, si ce n'est que j'ai légèrement déplacé. J'ai fait également un porte-manteau, porte-sac, c'est-à-dire une branche avec double crochet, ce qui va me permettre d'accrocher le sac. Bon, j'ai fait une petite réserve de bois parce que là il est 5h30 et il fait déjà moins 3h30, donc je pense que la nuit va être beaucoup plus fraîche que la nuit dernière. Donc la première réserve prédébitée, là ça sèche, c'était dans la neige. Le feu il est tranquille. Et ici, une réserve non débitée avec un gros là que j'ai commencé à débiter. J'ai chargé un maximum le foyer avec des grosses bûches. Donc en forme de V et deux grosses au-dessus, de façon à ce que ça s'écroule au centre du foyer. Façon à avoir de la chaleur le plus longtemps possible. Aujourd'hui c'est grasse mat. J'ai été malade toute la nuit. J'ai pas eu froid d'ailleurs. Je pensais qu'il allait faire plus froid, mais non, c'est pas le froid. Je sais pas. En fait, toujours est-il que ce matin je dors. Chauffer l'eau pour le café. Il neige à nouveau. Arrivé hier soir, mais il faut que je reprenne un peu de force. Je me sens fatigué en fait. Un bon cappuccino bien chaud. Mais il fait pas froid, hein, il fait 3 degrés. Mais je suis fébrile là. Allez. L'aventure est terminée. Il est temps de rentrer. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.